Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis, bienvenue dans la redécouverte d'un jeu que j'ai aimé passionnément, à la folie, tendrement, car en plus de m'amuser, il m'a permis de faire des vues, et ça qu'est-ce que c'est moi qui ai installé ça? Jour, nuit, oui, du coup c'est là c'est jour, et là c'est nuit, et là c'est jour, là c'est nuit, bref, bienvenue dans House Flipper, ce joli petit jeu de construction, et je vous présente ma petite baraque, toute petite, hein. T'as une petite chambre, un petit bureau et de quoi faire pipi et caca et se laver le cul juste après avec des photos de Fanta. Oui, c'est ça. Et des photos de Captain America. Ah, le grand, le magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau et incroyable. Je parle bien évidemment de Bob Lennon. Voilà, donc je vous trouve, retrouve, oui, trouve, retrouve, dans ce jeu parce que une extension vient de sortir tout simplement. Attends, comment je. Une extension. Voilà, ils ont AJTV, que ça s'appelle. Et c'est. Comment dire, c'est. Bah en fait, c'est des maisons sur la plage. T'as plus de modèles de maisons, tu as plus d'objets. Plein de choses toutes belles, toutes nouvelles. Et là, on va se choisir une petite douche. Avec les portes noires, c'est bien comme ça, non? Avec le bas. Oh, c'est très bien, ça, tiens. Oui. Elle traverse le. Ça y est? Je sais qu'il y a une douche, tu peux entrer dedans et te laver. Est-ce qu'elle traverse le mur? Est-ce qu'elle clipe avec le mur? Pas du tout. Peut-être que si, mais du coup, le mur est en profondeur. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Le jeu a beaucoup, beaucoup évolué. Je sais qu'il y a une douche. Tu peux te laver dedans, directement. Te laver dedans. Voilà. Je peux pas la casser. Mais voilà, donc HGTV, c'est un nouveau DLC qui vient de sortir. Il y a juste une petite chose qui m'embête un tout petit peu. Vous savez que, bon, bah, on peut acheter des maisons, les rénover, puis les revendre. C'est ce qui m'a fait gagner 181 000 dollars là-haut, mais malheureusement, j'ai envie de dire, je ne trouve pas les nouvelles maisons avec une belle plage, avec un beau jardin tout beau, tout neuf à rénover. Voilà, il y a ça, c'est nouveau. Maison sur la Lune, il faut beaucoup d'argent pour voir ce que c'est. Hein. Et il fut un temps, on pouvait aller les visiter, mais ça, c'était avant. Malheureusement, on ne peut plus. Donc voilà, elle est chère celle-là. Hein. À mon avis, elle est bien, mais. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à rénover. Donc voilà, nouvelle extension, mais apparemment elle ne se traduit que par carte de commande. Voilà, donc il y a une carte. Il y a une carte d'un espèce de petit village assez resserré. Un genre de, comment on dit, quartier, neighborhood. Ils appellent ça même une communauté. Ils ont tous leur petite maison. Leur petit pavillon et leur petit machin. Donc voilà. Là, il y a la plage. Et donc, apparemment, pour un budget de 5 000, je dois aller à nouveau travailler chez les gens. Pardon pour mes chiens qui aboient. Ça doit être l'heure de jouer. Bienvenue dans le premier commande de Sun Bay. Ah, bah oui, d'accord. Vous êtes prêts à aider Johnny et Nicole? Ah, oh, je déteste leur nom. Ils ont l'air tellement cool et classe. Oh, bon sang, Johnny et Nicole. C'est qu'il y a une maison sur la plage. Oh, je déteste ma vie! Et petite, mais la vue est captivera. Vous captivera. Oui, bah d'accord, il faudra aider à ce moment. D'accord, ça va, j'arrête. On y va. Voyons voir. Donc voilà, il y a des petits pilotis, il y a des petits. Comment on appelle ça? Un ponton, non? Bon, bah voilà, t'es sûr, hipster et mignonne. Tout ce qu'il me faut, voilà. Bienvenue. Petite, mais captivera. Oui, bon, bah voilà, d'accord, c'est ce que j'ai dit. On est d'accord. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que. Lorsque vous réalisez des commandes Sunset, vous disposez d'un budget? Un budget? Mais tant que j'ai des sous, moi, c'est bon. Je vous fais des trucs, vous me payez la facture après. Il faut pas dépenser les 20 000 dollars. L'argent que la famille veut dépenser pour. Oui, bon, tu me diras, c'est un peu logique. Il y a 5 000 dollars de budget, mais c'est honteux. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, ça vous coûte des sous. Non, ça vous coûte rien, ça, c'est gratuit. Je ramasse la mouise, c'est gratuit, d'accord? Ok, bon, bah, j'imagine qu'on commence par tout nettoyer, tout ce qui était dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Utiliser un sauna? Une salle de bain? Possibilité de l'utiliser un sauna? Après, un bain de mer serait génial.
Il suffirait de nettoyer le débarras, très utile. Pouvait adopter un petit atelier. On sait bien ça, l'atelier. Pour faire plaisir à John. Un sauna, c'est bien un truc de fille, ça. Pour un chaud au cul. Je suis sûr qu'on est encore en Californie ou quelque chose dans le genre. N'importe quoi, on va nettoyer ça et puis ça sera très bien. Un sauna, quelle idée. Qui c'est qui a envie d'aller dans un sauna? Ouais. Je peux le vendre, ça, ou non? Vous attendez que je le lave? Parce que vous avez trop la flemme de nettoyer vous-même, n'est-ce pas? Alors, un jour... je sais pas si... Bon, de toute façon, vous savez pas qui je suis, mais... j'ai un ami qui m'appelle... Tatsu. J'ai besoin d'un coup de main pour un déménagement. Alors déjà, c'est la tristitude. Parce que voilà, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, ils ont pas énormément d'amis et il faut aller les aider. Et les gens étaient des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Mais genre, beaucoup d'argent. Déjà, ils ont acheté une maison qui était incroyable, donc on devait emménager dans une maison qui était déjà incroyable, et la maison qui était trop petite pour eux faisait quelque chose comme 300 mètres carrés, était bien plus jolie, c'est un truc de dingue quoi. Par contre, ils vivaient comme des dégueulasses. Et dès qu'il s'agissait de porter un truc, parce qu'ils avaient plein de beaux meubles, et ben quand il s'agissait de les porter et de ne pas les abîmer, là il n'y avait plus personne, mon gars. Heureusement que j'étais là. Ah, Tatsu, il a carré la game comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que tu veux ici? Une télévision sur une pièce vide. Pour également ajouter quelques décorations, tapis. Ouais, une télévision, c'est bien. Certainement une cheminée, grande cheminée électrique. Oh non, une télévision, c'est bien ça. Êtes-vous sûr du choix? Ouais, on fait une télé. Donc tu la mets où, la télé, là? C'est dommage de gâcher une fenêtre, quand même. Ouais, maintenant, mais regarde, là. On pourrait faire la télé ici, juste en face du canapé. Écoute, pour l'instant, moi, j'aime bien déjà tout nettoyer, tout... parce que là, on part sur des trucs, voilà. Je te fais une télé là, je te fais un atelier là, mais Tatsu, il fait que commencer, hein. D'accord, il aurait bien prendre ses marques. Non, c'est absolument charmant avec... truc gris. Ah, Tatsu, il fait femme de ménage aussi. Du coup, homme de ménage. Femme de ménage. C'est sexiste ce que je viens de dire. Je vais me prendre une tôle sur YouTube. Ah, je devrais arrêter la vidéo tout de suite. Ok. On va voir le bordel ici. Oh, vous avez vu cette belle baignoire? Toute belle, toute neuve. C'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser. Oh, elle est bien, hein. Eh bien, il me bien. Vous êtes trop riche pour faire votre lit, bande de gros dégueulasses. Oh là là, ça c'est génial ça. Et puis vue sur la plage, évidemment. Ça c'est classe, hein. Non, non, mais il n'y a pas à dire. Là c'est super classe. Voilà, bouge pas. Évidemment, je ne peux pas sortir. Ça c'est dommage, tu vois. Oui, bon, tu me diras, c'est pas fait pour, hein, ou ce flipper, hein, c'est pas fait pour sortir et aller voir, mais ça aurait été bien, voilà. Il y a des mauvaises herbes partout, en plus, il faudrait prendre le machin, comment on dit déjà, oh, je sais plus. Débroussailleuse, je crois. Ok, allez, nettoie-moi tout ça, tout ce truc dégueulasse. Pourquoi ça marche? Il est où? Il y a une tache dégueulasse quelque part, moi j'ai eu. Ok, là j'ai eu celle-ci. Donc là il y a une... Attends, bouge pas, en fait c'est pas à cause de ça je t'ai eu. Voilà. Donc ici tu voulais un atelier. Bon, il est vide ton truc, c'est bon. Chaise à roulette. Perceuse, il y a des perceuses. Poubelle ronde. Bruche. Aucune idée. Bruche. Qu'est-ce que t'appelles bruche? Ah! Oh, bah, alors, si tu me donnes en plus ces objets à acheter tout de suite, que j'ai pas à les chercher 10 ans, moi je dis banco. Attends, voilà. Bon, c'est... Voilà, c'est bien. Bon, alors je les aurais cloués au mur, ou alors une caisse à outils, tout simplement. Une chaise bleue, c'est pas terrible dans un atelier.
Mais une chaise noire, c'est mieux. On sait jamais, des fois tu t'assois. Non, ta masse là qui traîne, ça m'énerve. Tiens, pose-la là. Ah là! Aïe! Ah, yeah. Bon, on y est. Ah non, il manque un truc, une poubelle. Une poubelle. Une belle poule, une poubelle, quoi, voilà. Voilà! Incroyable! Incroyable du cul, hein. Bon bah allons mettre cette télévision en place. Nouvelle maison, j'aime bien cette espèce de patio, cette espèce de plateforme. Comment les gens normaux ils appellent ça? Hein, c'est sûr que Tatsu qui vit dans un appartement dégueulasse, il sait pas. Et je pense que c'est un genre de patio, ça, une plateforme. Bon, Tatsu il a déjà installé des garde-corps. Il les a fabriqués, il les a installés. Parce que Tatsu il est menuisier. Ok. Donc là, tu veux une télévision. On pourrait la mettre là, mais ce serait bien de la mettre là pendant cette, tu vois. J'aime pas que la table soit trop loin ou trop près du canapé. Donc ça me rend dingue. Voyons voir, qu'est-ce que tu veux que je mette en place? Alors, on a un meuble. C'est un meuble d'angle? C'est un meuble d'angle. Ah bon, ça, j'aime pas trop. On pourrait le mettre là, alors, du coup. Et ton armoire, il faudrait la déplacer. Ouais, mais elle est un peu loin, j'ai envie de dire. C'est dommage. Mais bon, le client veut quelque chose. Un lustre avec ampoule. Armoire. Enlever l'objet. Quand tu dis enlever l'objet, tu veux que je le vende? Oui, il m'autorise à le vendre. Si je veux vendre une chaise, par exemple. Non, je ne peux pas. D'accord, donc tu m'autorises à vendre un lustre, c'est bien. C'est très intelligent. Donc tu veux que je remplace par un lustre comme ça, un tableau comme ça. C'est dommage, un meuble d'angle, hein. Bon, moi, c'est le client qui choisit, hein. C'est le client qui est roi. Oui, non, ça, c'est moche. Qu'est-ce que c'est, ça, derrière? Le fond, on s'en fout du fond. Moi, ça, c'est pas très, très... Enfin, bon, bref. Bah, écoute, tu sais, comme ça, c'est bien. Et ça donne avec l'autre? Oh, ça c'est moche. Non, non, noir c'est bien. Avec les portes blanches. Le noir est, comment dire, toujours tendance. Ne se démodera jamais. Tout ce qui est noir est beau. Et ça c'est bien, regarde. Il ne rentre plus dans le mur. Il va plus m'emmerder 10 ans rentrer à clipper dans le mur et de suite, quoi. Voilà. C'est dommage. C'est un peu loin. Bon bah écoute, on y va doucement. On n'est pas dans l'over-productivité non plus. Ah, et puis ça s'allume. C'est merveilleux, c'est incroyable. Un tableau. Un tableau. C'était. Oui, alors c'est. Les goûts, c'est de l'art du cochon. Bon, moi j'aime bien le bleu, alors oui. Allez. Les goûts et les... Ah, mais c'est un tapis en fait, d'accord. Bon, bah glisse-le là. C'est bien sous la. Non, c'est pas si mal. Ah, c'est bien! C'est bizarre, mon jeu il clip un peu. Ok, toi, je vais te vendre. Et encore un tapis, on pourrait en rajouter un. Ouais, je fais des fautes de français. Je le sais. Pas trop mal placé. Sinon, je vais commencer à chipoter. En tout cas, il a une lumière plus tamisée. Il n'est pas bien placé ce tapis à la con. Il m'énerve. Il a peu d'intérêt. Il n'est pas assez grand pour cette pièce. Ça me rend dingue. Ou alors j'ai le droit d'en acheter deux. Parce que regarde, il m'en met encore un. Donc je peux t'en acheter un autre. Ah, c'est mieux comme ça.
Faute de goût, quoi, sinon, et pas de la même couleur. Bon, bah, ça me rend dingue. Une petite plante. Tiens, prends la bleue aussi, le pot. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, on n'est pas dans le, dans le productivisme, là. On n'est pas dans le... Voilà, mets-moi ça ici, achète-moi des centaines de trucs, refais-moi ça. On y va cool. On y va cool, c'est pas plus mal pour reprendre le jeu. Parce que moi, je me souviens surtout que je passais du temps dessus, hein. Ça prend une éternité. En fait, je pensais tout simplement refaire une baraque. C'est dommage, on peut pas trop la coller au mur. Ah, c'est bien, là. Bon, bah écoute, ils ont pas dépensé grand-chose en budget. Bon, je m'en fous un petit peu parce que, bon, bah, de l'argent, j'en ai. Ça y est, on est bon. Nettoyer les fenêtres. Les fenêtres, quoi. Lustre, tu veux un autre lustre? Peut-être dans la cuisine, non? C'est bien d'avoir un... Ouais, bon. Oui, non, mais je peux pas le vendre. D'accord, moi, je peux pas le vendre. Écoute, on va faire ça comme ça, alors, s'ils veulent un autre lustre. Parce qu'ils veulent bien deux tapis et deux lustres. On va mettre un là et un ici. Fait deux lustres, c'est plus lumineux, c'est pas mal. Ils en veulent deux, ils en ont deux. Voilà, ça c'est fait. Faut nettoyer les fenêtres. Allez, avance. Oh là là. Bon, bah, il n'y a pas de petit métier, monsieur, dame. Il faut bien gagner sa vie. Allez. Ah, et puis ça prend sa vie. Ah, c'est encore mon toutou qui fait du bruit. Alors j'ai acheté un nettoyant vapeur justement pour faire mes fenêtres. Et bah croyez-le pas, ça marche super bien. J'ai nettoyé mon clavier aussi, mon vieux clavier. Et ça nettoie super bien les claviers et les souris. Voilà, je vous prie de m'excuser pour mon chien. Ça nettoie super bien les claviers, les souris, les fenêtres évidemment. Alors là les fenêtres, pas besoin de produits ou quoi que ce soit, hein. Tout est décapé. Tout est décapé, même un petit truc à 75 euros, quoi, ça fait la blague, quoi. Et t'as des fenêtres toutes propres pour l'été. Allez. Allez, bouge pas. Nye. Voilà, ça y est, c'est fait. Encore une fenêtre à nettoyer, là, qui est sous la grande, super. Super, allez, vas-y. Tu vois, je peux pas aller trop vite. J'ai pas le choix. Le truc, il est lent, il est excessivement lent. Et il fait exprès d'être lent. C'est pour m'embêter. Allez. Donc voilà, je vous le conseille. Vite fait, un truc assez discount, un nettoyeur vapeur. Ça marche bien. Ça marche bien pour plein de choses. Sur les fenêtres, les rebords ou tout ce genre de conneries. Une armoire, donc tu veux une armoire. Attends, il y avait une minute. Est-ce que tu veux que je la vende? C'est ça, hein. Ok, bon, on a fini, on a fait tout ce qu'il demandait. Ouais, donc j'ai terminé. Voilà, il me file quand même le reste du pognon. Ah, oh, c'est chaud, Lipo. Ça, c'est chaud, Nia. D'accord, il te montre l'avant, l'après, ce que j'ai fait. La chaise que j'ai mis en place et tout ça. Oh, c'est incroyable. Oh, maître, allez, barrez-vous. Filez-moi une autre maison, une belle maison. Allez, on en fait une autre. On en fait une autre et j'espère que c'est... j'espère surtout... Vous pouvez acheter une nouvelle maison, c'est ça que j'espérais. Et ça, c'est classe. Ça, c'est très, très classe. Fais voir. Elle est à combien, surtout? Parce que ça, c'est... Ah, je crois que c'est celle-ci. Mais on peut même se l'acheter. Elle est plutôt jolie. Et qu'une seule pièce en haut, qu'une seule chambre. Écoute, on va faire la suite. Ça, c'est fait. Et donc, j'ai deux autres maisons à faire. Celle-ci, il y a tellement de la saloperie que même en vue satellite, on voit que c'est dégueulasse. C'est génial. Il y avait une autre flèche, non? Il y a celle-ci. Quand de 100 ans de souvenirs, maison plus de 100 ans,
Pas sûrement un charme égoïste, famille de marin. Allez, on y va. Roule ma poule, voyons voir. Une maison qui a 100 ans. Regardez les portes. Maintenant, il y a des vitrails dedans. Alors, qu'est-ce que budget de... Bien sûr, vous devenez de plus en plus radin, hein. Et sa rénovation. Allons-y, voyons voir. 2000, oh là là. Par contre, il y a de grandes fenêtres comme ça, hein. Plutôt sympa, elle est grande, hein. Elle est grande, elle est jolie. On voit la mer d'ici, elle est là-bas. Non mais c'est dommage, j'aurais presque envie, je sais pas, de sortir, de parcourir le... Ouais, mais ça demande énormément de... Est-ce que c'est pas... Oui, ah d'accord, donc comme quand t'es crade, et bah t'es crade, quoi, d'accord. C'est pas plus mal. Quand t'es crado, quoi. Qu'est-ce qu'il crade encore? D'accord, donc c'était... c'était crado. Un beau volume, hein. Un étage avec 3 chambres. Tout est trop bien organisé, je déteste ça. Donc la salle de bain, ici, j'imagine. Non, ça c'est une chambre. Avec une salle de bain attenante. Et plutôt grande. On n'en voit pas beaucoup des grandes salles de bain... dans House Flipper. D'accord, donc les murs, quand ils sont crades, ils ont cette patine dégueulasse que l'on aime enlever. Oh, c'est bien. Là, je nettoie même à travers les murs. Il est où? Je vois sur le radar. Hein. La saloperie. Putain, ce bois craquelé, il a son charme. Mais bon, pour un lit, ouais, ça le fait pas. Ça ne le fait pas. J'imagine qu'il faut que je nettoie absolument tout partout avant de commencer le plafond. Le plafond était crade. Ça aussi, c'est crade. À l'extérieur de la maison. Ah bah, bravo. La cheminée. Oh là là. Alors, j'ai plein de points en nettoyage, hein. Ce qui fait que ça nettoie extrêmement vite. Ah ouais, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, la baraque. Rien-moi ça. La fée du logis, ce Tatsu. Vous aimeriez qu'il vienne nettoyer chez vous. Parce que vous êtes des fainéants, vous aussi. Petite chambre, hein. Sympathique, mais petite chambre. Bah du coup, avec 3 chambres, ce serait... Je crois que c'est vraiment la plus grande maison que j'ai jamais vue. Une salle de bain entre. C'est bien, comme ça on ne se gêne pas quand on dort. Quand on veut faire des vilaines choses dans notre chambre. Comme invoquer Satan. Ça fait rire que moi, c'est débile. Attends, bouge pas. Il y a un épisode des Cassos où il invoque une succube. Il essaie d'invoquer une succube. Mais c'est une étoile de David. David? Ah oui, David. Bon, allez. Et puis, bah, sinon, il va falloir aller nettoyer à l'extérieur. Directement sur le toit. Peut-être même un échafaudage pour nettoyer. Ça va être horrible, là. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nettoyer tout. Ouais, il faut déjà tout nettoyer, mon gars. Pourquoi c'est aussi crade, là? Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est vieux, hein. Ah, une maison de 100 ans, mais bien dégueulasse. Oh, la cuisine immonde. Donc, ils vont encore me donner le choix entre deux choses à faire. Bouge pas, déjà, je nettoie. On regarde après. Oh, c'est bien foutu, hein. Et puis, t'as la satisfaction de la propreté retrouvée... pas si mal. Pour un youtubeur sans talent comme moi, voilà. C'est quand même grandement appréciable de vous donner de la satisfaction avec si peu de choses. Incroyable. Ok, donc c'est celui-là qui marche pas. Y'a plus rien à faire, y'a plus rien à faire. Ok.
Alors, voyons voir. Enlever les tubes flottants et le miroir qui se trouve au-dessus de l'évier. Nous allons mettre un carrelage, un mur accroché, nouveau miroir, réfrigérateur. Miroir. Un miroir au-dessus de l'évier, c'est une blague, pourquoi faire? Ça ressemble à une fenêtre. C'est aussi une petite lampe intérieure, reviendrait plus de lumière. Ou je préfère le frigo. Je préférerais le frigo. Oui, non, mais c'est un miroir, mais c'est débile. Pourquoi mettre un miroir au-dessus du. Je sais pas, pour faire de la luminosité. Ils sont fous, ces Romains. C'est sale où? Et c'est le mur qui est sale. Consciencieux, hein, Tatsu. Il n'abandonne jamais. Il a besoin de nettoyer l'extérieur, c'est normal. Et non, laisse-moi passer. On peut sauter maintenant, c'est incroyable. Ça fait bugger, mais on peut sauter. D'accord, c'était là-haut. Bon, bah voilà, elle est toute propre de tout partout, cette maison. Merveilleux, incroyable. Quel homme formidable. Quel travailleur discipliné. Qu'est-ce que je disais? Il va me falloir un échafaud. C'est honteux, c'est honteux. Oh bah tiens, il y en a un. Oh, ils en ont prévu un. C'est merveilleux. C'est incroyable. Merci aux développeurs du jeu. Voilà. Putain, mais c'est fait. C'est incroyable, c'est fait. Et on peut nettoyer tout le reste. Regardez. Comme je suis solide, je me suis même pas cassé quoi que ce soit. Bon, allez, cessons de tergiverser. Qu'est-ce que tu veux ici? Donc tu veux un frigo, un machin? Tu veux que j'agrandisse là? Je sais plus du tout. Petit néon, deux petits néons, le miroir. Ah, mais il faut me dégager ça, quoi. Motif. Deux petits néons, le miroir. Et puis cette merde. Ampoule suspendue, poser un carreau mural mosaïque blanc, ok. Du coup, on n'a plus du tout de quoi. Oui, ça c'est plutôt sympathique, plutôt moderne, c'est bien. Noir comme ça avec le gris, c'est bien. Au-dessus du plan de travail, oui, si possible. Attends, bouge pas. Ça me rend fou quand c'est pas centré avec la pièce. C'est un truc. Je suis malheureux. Hein. Ah, que la lumière soit, la lumière fut. Ok, place un objet, un miroir. Bon, du coup, tous ils veulent quand même un miroir. Bon, bah écoute. C'est où? C'est là. C'est au niveau du. Vous êtes sûr? Écoute, je vais faire tout le mur là. Hein. À partir de là. Puis après, je vais le mettre en place ton miroir. Je comprends pas trop hein, le coup du miroir au-dessus de l'évier, mais tant pis. Peux pas tout comprendre non plus, faut pas déconner. Ok, poser les carreaux. Bon, du coup, je vais pas m'arrêter là vu que j'en ai encore. Des carreaux de salle de bain, normalement. Ok.
Bon, on pourrait poser les carreaux absolument partout, sauf peut-être là, c'est très moche. C'est très moche, comme ça il aurait fallu. Parce qu'il y a des trucs. Je sais plus. Poser des carreaux. Il en faut 20 en plus, donc ouais, ils tiennent absolument à qu'il y en ait toute la partie. Voilà, j'ai envie de dire. Je vais mettre des lambris là, je vais mettre des lambris parce qu'autant là, ça jure de toute façon. Bon, tant pis. Ah, tu regardes. C'est très moche, c'est très très moche, vraiment. Il y en a encore là. Bon, bah disons que même derrière le frigo, c'est protégé. Carrelage, ça se lave bien, hein, ça se lave facilement. T'en poses partout dans ta cuisine. Et t'es tranquille. Bon. Oui, tu veux que je pose ton miroir à la con? Ok, si tu veux. No soucis. Moi, je préfère comme ça. À quoi ça sert? Dites-le-moi en commentaire. On sait jamais, mais voilà. Bien des choses qui m'échappent. Donc là, tu veux un canapé d'angle? Gauche clair Mélissa. Ok, une table enfoncée. Est-ce que tu veux que je dégage quelque chose? Poser carreau au sol. Quel genre de carreau? Tu veux que je pose ça? Partout, partout, partout. Ça te plaît, ça, hein? Bon, ça sera bien plus propre. J'aime bien quand même choisir par moi-même, hein, j'aurais voulu acheter la baraque et puis la refaire moi-même. Moi-même, pardon. Tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Si la vidéo vous plaît, on se fera une petite baraque comme ça. À la sauce à Tatsu. Parce que Tatsu, il aime bien parler de lui à la troisième personne. 98. Voilà, 100%. Ensuite, un canapé d'angle. Gris comme ça, c'est pas très très beau, hein, les pieds. On pourrait faire quelque chose de très vif, plus. Moi, ouais, c'est pas si mal ça. Non. Plus vivifiant. Ouais, le gris, dégueulasse. Dégueulasse. Décidément. Alors, l'angle c'est bien, mais pour. C'est que je place ça? Sans couvrir une fenêtre. C'est un peu dommage de le laisser là. Hein. Parce que bon, ça c'est aussi des fenêtres, quoi. Allez, barre-toi. C'est bien comme ça habille. Regarde. Ah mais bon sang, un canapé d'angle. Oui, mais j'ai pas d'angle. Y a rien qui est. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pas de véritable angle. C'est dommage, hein. Et là, ça clip. Tout à l'heure, ça clipait pas. Alors, si tu pouvais juste te placer correctement. Et en plus, je veux pas être trop près là, qu'on puisse sortir quand même, c'est mieux. C'est bien placé, ça. Toi, tu vas m'emmerder, toi. Toi, je sens que tu vas m'emmerder. Une petite table basse, allez. Il vous faut un tapis, madame, avec. Ouais, pas du tout. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le travail de sagouin! Bon, je. Oui, quand tu veux. Ce moment incroyable
de divertissement vous a offert, vous êtes offert par Tatsumi M Show, dites-moi que vous appréciez. Putain, c'est compliqué hein, de couvrir une fenêtre. Là, j'ai du mal. Hein. Tu peux, bon, de toute façon, elle passe pas. C'est des fenêtres comme ça. Why? J'ai envie de dire why not, mais voilà. Ça, c'est les ricains, ça encore. Ils ont toujours des idées bizarres. Ça leur ferait chier de faire des portes-fenêtres vitrées. Regarde-moi ça, en plus, tu pourrais tout de suite aller à l'extérieur. N'importe quoi. Porte-fenêtre, quoi, les mecs. Bon, bref. Quelques plantes, et puis on va planter le décor, j'ai envie de dire. Et encore un petit. Près de la cheminée, comme ça, ça brûle. À l'entrée, voilà, ça égaye. Et puis, l'idéal, ça aurait été en haut. Sur le... C'est possible, ça? C'est très très moche, ça le fait pas du tout. Voilà, c'est très bien. Celui-là est trop grand, on est d'accord. Il est beaucoup trop gros. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que tu veux que je fasse autre chose, monsieur, dame? Parce que bon, vu que je suis... Ah bah tiens, là aussi, il y a des trucs à faire. Peinture avec couleur argent. Lit double mâle. Tableau. Bon, bref, ça tu veux que je le vende, n'est-ce pas? Parce qu'il fait vieux, il fait dégueulasse. Hein. Il y a des placards encastrés maintenant. Avec un coffre-fort. Je peux pas le vendre. Bien dommage, hein. Bon, voyons voir. Tu veux que je te repeigne la pièce? Peut le faire, hein, peut le faire. Alors, normalement, je suis un pro du peinture du rage. Qu'est-ce que ce rose dégueulasse? Oh, vous n'avez aucun goût, c'est immonde. Qu'est-ce que c'est que cette couleur dégueulasse? Peinture argent glace. Oh là là là. C'est très très moche. Hein. Oh, c'est immonde. Ça, c'est vite peint hein, avec les points que j'ai mis dedans. Voilà, je fais pas de. Je mets pas de musique, je mets rien, vous restez avec moi, vous allez souffrir avec moi. Non mais c'est bien, on travaille après le déconfinement. Parce qu'à mon avis, vous allez être comme moi, vous allez beaucoup être au chômage. Parce que voilà, la France, c'est fini, elle est à l'arrêt. D'ailleurs, si vous avez du boulot, vous voyez bien que je sais tout faire. Que ce soit la déco, au bricolage, à la peinture, j'ai installé une douche tout à l'heure, n'hésitez pas, appelez-moi. Tu rigoles, mais dans la vraie vie, je sais faire tout ce que je fais dans le jeu. Ça me fait pas peur. Pour vous dire, je sais pas, j'ai déjà dû le dire dans une vidéo précédente, mais j'ai un ami qui a acheté une maison, une belle maison, 270 000 euros, grâce à Tatsu. Hey, parce que je parle encore de moi à la troisième personne, vraiment que je voie mon psy, et l'en vaut 550 000 maintenant. Et il l'a fait estimer et tout, hein. Il n'y a que moi qui a bossé dessus, que moi. Parce que lui, il sait rien faire de ses 10 doigts. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus besoin d'ouvrier, un ami de 10 ans. Adieu. Voilà. Toute l'histoire de ma vie. Allez. Ça y est? Bon bah ça y est. Et on peut vendre. Tu veux un lit double? Il est très moche. Hein. Un truc un peu gay. Qui peut égayer un peu noir sur le côté, mais les couvertures, le couvre-lit, tout en blanc. Au niveau du... Ça, c'est bien les draps. Ouais, quelque chose de très très égayé. Attends, bouge pas, un petit couvre-lit. Genre rouge. C'est bien comme ça. Et puis ça fait bleu, blanc, rouge. Parfait. Shift. Et faire tourner la molette. Ça y était pas, ça, c'est nouveau. Voilà.
Autre chose? C'est une petite table de nuit. Couleur bois? Non, couleur noire. C'est toujours distingué le noir. Hein. J'avais une amie qui voulait que des meubles blancs. Ou si je pouvais avoir des meubles noirs. Non, pas du tout. Ah, voilà, quand même. Tu vois, là, il faudrait un réveil et deux, trois petites choses. Parfait. Si mal, ça fait vieil et haut. Ok, allez. Voilà, jour. Autre chose? Bah écoute, ça c'est fait. On a fini dans cette chambre. Tu veux quelque chose dans la salle de bain? Je peux prendre une douche? Non? Tu veux pas? Eh dégueulasse, il y a encore une tache dehors. Oh mon dieu, l'enfer! Et la nuit tombe. Ah, heureusement, il n'y a pas besoin de prendre le... Oh mon dieu, tout est terminé. À peine j'ai nettoyé ça, tout était terminé. Bien, bravo. Bravo, Tatsu. Et dis donc, j'espère que là, il y a de la thune qui tombe, hein, parce qu'il y a plus de boulot que tout à l'heure. 2000 ? 2000 ? Oh, c'est plus joli, quand même. Oh, c'est bien, et puis c'est avant, après, c'est super. Non, non, c'est bien. J'aime bien, il y a des cheminées, maintenant. Et ça, c'est classe. Hein, c'est bien, le petit fauteuil dans le coin. Non, oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est chaud, Lipo. C'est chaud. C'est magnifique, ma chérie. C'est incroyable. Eh ben, apparemment, il y a d'autres petites missions. 42 minutes. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est plutôt sympa. Si cela vous a plu, je vais faire le... Je vais juste voir à quoi elle ressemble. L'autre maison. Il y a que celle-ci. Et que celle-ci. Je veux juste voir à quoi elle ressemble. Parce que maintenant, apparemment, je peux l'acheter. Attends. Là, il y a une autre maison. Elle commande la seule moitié. Je veux juste voir à quoi elle ressemble parce qu'il y a deux trucs. Ouais, elle est grande. Ok, d'accord. Il y a une petite dépendance. Je me demande si c'est une dépendance. Oui, t'as 7000 de budget. Ok, on est d'accord. Oh, c'est immonde. Attends, il va y avoir du boulot. Oh là 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 là. Où c'est que je peux sortir? Un placard encastré. Ça, c'est bien ça. Tu sais que c'est pas si mal quand même qu'on te prenne par la main comme ça. Un petit peu. Moi je suis un artiste. Hein. Attention. Ah, moi j'aime bien faire de la créativité. D'ailleurs, si vous me croyez pas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ce jeu. Que j'ai fait moi-même de mes petites mains. Dis donc, mais en fait, c'est des appartements. C'est une petite maison à coller. Donc là, je peux peut-être pas sortir, tout simplement. Si je peux sortir. Ah oui, bon, bah d'accord. C'est bon, je l'enlève, ça. Je voulais pas travailler, en fait. D'accord, donc il y a un petit garage. Oh, c'est sympatoche. Et le garage, il s'ouvre. Bon, ça s'ouvrait déjà avant. Mais au moins, on a vu sur la... Rien du tout. Encore une barricade. Encore enfermé. Ok, chers amis, on s'arrête ici. Oh, le merdier. Oui. Ne travaille plus, tu t'arrêtes, tu dis au revoir. On va réussir, on va y arriver. On va y arriver. Oh là là là. Allez, gros pouce bleu, gros abonnement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura diverti. Voilà, ce petit DLC est sorti le 14. Nous sommes le 16. On est le 16, 18, je sais plus. Quelque chose comme ça. Oh, le temps passe tellement vite. Allez, des bisous, gros pouce bleu, gros abonnement. Chouchou, bye bye. À la prochaine.